Et boum, les petits amis, nous voilà revenus après une éternité, après une pause extrêmement longue sur Death Stranding, nouvel avatar, comparativement au dernier épisode. Du coup, ça vient de m'exploser les oreilles. Du coup, j'ai pas le costume adapté, mais est-ce que on entend le son du jeu? Ça, c'est la grande question. Je pense que oui. Bah, si j'active les trucs... Ah, peut-être pas. Est-ce qu'on entend le son du jeu? Pas sûr. Alors... non, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Ok, là, ça a l'air bon. On va essayer, là. Ok, là, je pense que c'est bon. Et salut Eve Neo. Bienvenue à toi. Faire une livraison. Ah mais non, mais j'ai pas la bonne sauvegarde. Ok, j'ai pas la bonne sauvegarde. C'est parti. Ah, on n'entend pas le jeu là? Ou alors peut-être qu'il est réglé trop faible. Attends, je vais voir. Ça, je vais monter. Bon, je vais mettre à balle. Ah mais merde, mais il a quitté le jeu ce con, en plus j'ai même pas fait gaffe. Eh ben ça démarre bien. Redescends. Alors charger une partie. Oh Cortana, salut la petite Cortana, comment qu'elle va? 2020. Livraison de matériaux de construction. Eh ben c'est sûr. Livraison de sang. Merde, je sais plus laquelle c'est. C'était normalement numéro 41. Hein. Je crois que c'est celle-là, en fait. Oui, c'est celle-là. Fatigué, toi? Bah, moi aussi, pas mal fatigué. Très malade, en fait, depuis une semaine et demie. Mais bon, là, ça va mieux. Depuis lundi, ça va mieux. J'ai quand même dû prendre un jour de congé, tellement j'étais dans le coltard. Ah, le retour des 21%. Ah oui. Ah, c'est bon, ça charge plus vite. Une fois que c'est chargé, c'est bon. Oh, donc je disais boom, hein, je disais boom. Nous voilà revenus sur Death Stranding après 2 ans de pause. Donc il va falloir que je me remette dans le bain. Que je me souvienne de tous les trucs que l'on doit faire. Donc déjà, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit livrer la marchandise demandée. Ok. Donc livraison de matériaux de construction. Ok. Oh, quel plaisir. Il m'avait manqué, hein, ce jeu. C'est vrai qu'il était farfelu, mais vraiment très plaisant. Ah, vous êtes sûrement Sam Bridges. La fameuse expédition à lui tout seul. On a beau être coupé du monde, les infos circulent. On sait tout sur le super livre. Le jeu est sur Steam. Il y a même la Director's Cut hein, sur Steam. Moi, je l'ai pas encore. Je l'ai pas. En tout cas, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous? Eh, je joue sur PC, hein, d'ailleurs. Ah ouais, super. Oh, les UCA. Le rang S. On sait pas pourquoi. La musique.
C'est le jeu complet, Director's Cut? Bah oui, Director's Cut, c'est le jeu complet, même plus que complet, parce qu'il y a des trucs en plus. C'est une version du réalisateur. Mais tu as jamais joué, Cortana? Ouais, il me semblait que tu y avais joué à celui-là. Non? Ouais. Passe-moi ton Wi-Fi que je me connecte au réseau. Oh là, les souvenirs, les trucs qui flottent, les trucs bizarres, les trucs chelous. €24, ça fait pas cher. Oui, mais après, la Director Scott, elle est sortie depuis un petit moment. Oh, toi, tu vas kiffer, hein, ce genre de jeu. Parce que c'est vraiment un truc post-apo. Très style Half-Life. Qui est un peu une satire des jeux vidéo, hein, parce que c'est en gros, tu joues un livreur. Et comme dans tous les jeux vidéo d'aujourd'hui, hein, c'est la liste des courses quand tu ouvres ta map et tu dois livrer des conneries. T'es pas sur une île, t'es sur une montagne. Il va falloir du boulot pour remettre cet endroit en état. Mais je suis remonté à bloc, plus que jamais. On laissera pas tomber notre pays. Merci, Sam. Et bonne chance. Enfin, vous n'en aurez pas besoin. Vous serez sur la côte ouest en rien de temps. Ah bah oui, là j'ai déjà fait la moitié des États-Unis à pied, là. Ensuite, il va falloir étendre le réseau jusqu'au centre de distrib au nord de la ville. Oh, les Bulsous! Bien choisi pour y aller. Ils viennent justement d'envoyer un SOS. Les infos arrivent au compte-gouttes, donc on ne sait pas tout. Mais apparemment, il y a eu un accident et des blessés ont besoin d'aide. Pour en savoir plus, consultez le terminal. Ok, alors on va se débarrasser de nos saloperies. Ouais, en plus, je suis malade. Donc, reprise sur un jeu où en plus je suis malade. Ça va être génial pour le replay YouTube. Livrer les marchandises perdues. Ferme de précipitation. D'accord, ok. Ah oui. Donc ça, je me souviens que si... ça, en fait, c'est faut que je le livre à la ferme de précipitation. Si je le livre là, au final, je ne complète pas la quête. Enfin, je ne complète pas cette quête tertiaire. Et du coup, ça fait moins de bonus. Donc je vais la garder. Et du coup, je la livre là, et ça sera confié à un autre joueur. Ça sera un autre joueur qui aura la responsabilité d'aller la livrer. Donc je vais recycler mes merdes. Donc tous mes trucs détruits. Ta 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 ta. Voilà, il va falloir réparer le camion aussi. Le camion Half-Life. Ok. Ok, recycler. Comme ça va faire du matos. Oh le... Oh mais putain, mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait! Oh maman, c'est ma maman! Ok, on récupère des trucs. Confier des marchandises à livrer. Ah oui! Où là, du coup, je peux le mettre dans le casier partagé et des gens peuvent le récupérer et le livrer pour moi. Mais je vais le faire moi-même. D'ailleurs, je pense que cet épisode, ce premier épisode de live, ça va être d'abord... On va y aller tranquille. On va faire les petites livraisons avant de faire l'histoire principale. Parce que je sais qu'il faut construire une autoroute et que l'autoroute est loin d'être finie. Ah oui, alors fabriquer un équipement... Mais il y a un gros inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas porter de marchandises par-dessus. Ce sera évidemment. Le pour et le contre. Le pour, le contre, le quoi, le comment. Ok, je vais m'en faire deux. Confirmé. Ok. Donc, accroché à la combi.
sur l'épaule droite. Et l'autre sur l'épaule gauche. Voilà, confirmé. Récupérer du matos, ok. Fabriquer un équipement, c'est parce que je peux fabriquer ces merdes-là, mais j'ai pas envie. Accepter des commandes. Reportage datant du début du Death Stranding. Kit de préparation de café aromatique. C'est génial, les quêtes secondaires. Livraison médicaments expérimental contre l'allergie. Jacques Chirac. Oh, Jacques Chirac, il nous avait manqué. Et donc ça, c'est... Voilà, donc ça, on peut faire des livraisons avec notre petit robot. Qui porte des bottes. Cui. Merci pour votre contribution. J'ai rien donné. Accepter des commandes. Et donc ça, c'est les commandes secondaires. Donc je vais livrer le café. Et je vais rapporter le reportage. Je vais faire ces deux trucs, puisqu'ils sont pas loin. Un au centre de distrib et un au bricoleur. On passe d'abord par chez le bricoleur. Ok, c'est accepté. Et après, on ira à la ferme. Ah oui, alors CCP, tout ça, c'est pour fabriquer des trucs. Vas-y, je vais m'en faire deux de ça. Et deux de ça, parce que ça, c'est bien, ça. Confirmé. Et de ce que je me souviens... On va tout mettre sur le véhicule. CCP, je porte sur le dos. Voilà, parce que les CCP, c'est ce qui me permet de fabriquer des bâtiments. Ok, confirmé. Ok. Et donc, de ce que je me souviens, c'est que plus on fait les quêtes secondaires, les livraisons secondaires, les trucs genre livrer des stylos ou des God Mickey, plus on augmente nos stats sur les points de livraison et plus on a un score de fou. Et plus du coup les endroits sont terminés, ont un niveau de livraison terminé. Il me semble. je suis plus très sûr. Allez, on récupère notre bijou. Ok, je me barre. Donc la route est là. Il y a un orage. Et par contre, il faudrait que je répare mon véhicule. Ça parle d'Ildo, oui. Ce jeu parle d'Ildo. Ah, il faut que j'aille là. Non, il faut que j'aille chez le bricoleur, là. On va tracer un... Non, c'est pas dans ce sens. On va tracer un chemin. Et d'ailleurs, là, je vois que la route, elle descend, blablabla, et elle rejoint l'autoroute ici. Donc, on peut prendre cette route qui n'existe pas. Voilà, et en espérant qu'on pourra réparer C'est un lac, une île d'eau. Ah oui, alors ça c'est pour scanner, pour récupérer des trucs. Est-ce que je peux passer là? Oh oui, ça passe, tranquille. Il n'y a pas de pente là, c'est tranquille. Ok, là il y a de la matière qui râle. Ah oui, et donc j'ai les gants anti-gravité de Alix, de Half-Life Alix. Qui me permet de récupérer les trucs à distance. Voilà, on voit pas bien là, mais c'est les gants. Voilà, c'est juste derrière ma gueule. C'est les gants de Half-Life Alix. Et d'ailleurs, j'ai plein de stuff.
que je me souvienne où c'est. J'ai plein de stuff lié à Half-Life. Voilà, les gants anti-gravité, les lunettes Gordon. On va les porter. Casquette, on s'en fout. Et la Valve Gordon. Voilà, bon là on la voit pas parce que j'ai ma capuche, mais on voit mes petites lunettes Gordon. Mais dès qu'il pleuvra plus, on pourra voir la valve. Alors, où est... Ah merde, il y a un truc qui râle. Et la vulve Gordon. La vulve Alix. La valve Gordon et la vulve Alix. S'il y a d'autres trucs là. Ah oui, là il y a les trucs qui flottent. On s'en fout. Ça nous intéresse pas. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe parce que quand on est dans ces zones-là, sous la pluie, il y a des échoués. Du coup, il faudrait que je traîne pas trop. Mais où est ma direction? Oh putain, ouais, je suis vachement loin là. Attends, parce que là, il y a un truc pour agrandir l'autoroute. Voyons voir qu'est-ce qu'il faut. Il faut 250 de trucs qui râlent. Il faut les autres icônes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Je peux lui déposer ça. Déjà. Voilà, acheté en cours de thé. Oh putain, mais je t'ai donné envie d'y jouer en 2 secondes, Cortana, c'est incroyable. Non mais après, c'est vrai qu'il est bien. C'est un régal. Et je suis sûr que toi, l'histoire, hein, tu vas kiffer. C'est complètement ton style. Non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai aucun matériel à donner. Oui, mais je veux juste savoir qu'est-ce qu'il faut donner. Ah oui, alors métaux, céramique. Mais si j'en ai de la céramique. Faut juste que je rapproche le camion. Là, il est assez près pour toi, là. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil, alors je profite du Black Days. Du Black Devil Friday. Ok, donc tac, tac, tac. Et voilà, je vais me faire carotte. C'est pas grave, je donne un peu plus. Par contre, j'ai pas de métaux. Confirmé. Très bien, il va falloir que je récupère des métaux. Ouais, l'objet phallique qui sort du sol est très content. Ok, donc on essaie de retourner vers la civilisation en essayant de faire gaffe aux échoués. Et les décors sont géniaux, hein. Franchement, si Half-Life. Si Half-Life 3 était dans ce type de décor, ça serait juste extraordinaire. Ok, là, il y a une marchandise détruite. Bon, on s'en fout. La matière chirale m'intéresse plus. Ah, mais il y a un autre truc de taureau, là. Ok, récupérons. Tous les trucs de matière chirale qu'on peut, parce que ça fait du matos. Là. Ok, est-ce qu'il y a autre chose?
Ok, ça on y va, donc ça je peux le ramener. Oh, oh, oh. Ok. Le bébé qui est content. Ok, ça c'est bien. Vu qu'il pleut, est-ce qu'on en profiterait pas pour faire un petit pipi? Non, on peut pas? Ah, je peux pas faire un pipi? Restez discret quand vous soulagez, essayez de faire ça à l'écart des autres de leur propriété. Ah voilà, comme ça. Ah. Où est son sexe? Ah merde! On ne peut pas voir le sexe de Norman Reedus, c'est vrai. Ah voilà, ça fait un beau champignon, ça montre bien que ma pisse... Que ma pisse est vraiment... pure. Alors, je sais aussi que on peut normalement agripper le bébé, mais je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Pour le secouer. Je me demande même si je l'ai déjà fait, en fait. Après, j'ai des flingues. Ah, ah. Ok, il n'y avait rien d'autre là. Non, ok, c'est bien. Et d'ailleurs, on peut se mettre de la musique pour se faire démonétiser. C'est d'ailleurs pour ça que pas beaucoup de youtubeurs, de gros youtubeurs font ce jeu, font des let's play de ce jeu. C'est où les musiques? Système? Non, c'est pas ça. Afficher les joueurs avec qui j'ai un pont de connexion. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. J'ai quand même 109 000 likes. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah merde, moi je croyais qu'on pouvait... écouter de la musique ici. Ah, on peut voir les emails. Wenceslas, les mystères du cratère. J'ai lu un rapport sur le cratère dans lequel vous avez balancé cette bombe. Alors, c'est vrai que, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu ma série YouTube, qui se sont régalax, j'ai fait péter une bombe atomique dans un lac. Et c'était extraordinaire, d'ailleurs. Ça a niqué la map. C'était plutôt intéressant. Il n'y a jamais eu beaucoup d'activités volcaniques dans ce secteur, dans toute cette région même. On ne dispose pas des archives complètes datant d'avant le Death Stranding. Donc, ce ne sont sûrement que des spéculations, mais le rapport laisse penser que ça pourrait être un cratère de néantisation qui se serait rempli de poids, de petits poids, et que ça pourrait même être une sorte de passage vers l'autre côté. Ce qui veut dire que tout ce que l'on lancerait dedans atterrirait sur la grève. Encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Si ça se trouve, on est complètement à côté de la plaque concernant ce cratère. La poix et toute cette histoire. Bref, on se retrouve à la prochaine grève. Bisous de Reims Préfecture. Eh oui, les astuces, les entretiens, nous casse les couilles. Il y a des milliards. Alors, si on adore lire, là, il y a des milliards de conneries à lire. Les astuces, regardez-moi ça, regardez-moi cette encyclopédie. Encarta. Il y a un tuto pour pisser, je suis sûr. Et ça, c'est les cartes mémoire, ça nous sert à rien. Alors, ils nous ont mis ça. Modèle amélioré du 3 roues, prisé par tous les porteurs. De la batterie de ce véhicule légendaire, gna gna gna. Inspiré par l'émission à succès Ride with Norman Reedus. Donc ça veut dire que ce design est quand même inspiré d'une émission réelle. Blablabla, blablabla. Bla bla. Ok, bon, il me semblait qu'on pouvait se mettre de la musique, là. J'ai dû rêver.
Oh, il y a des trucs Kiro qui sont apparus. Il n'y a pas d'autres. Ah si, il y en a un là. Ah putain, il y en a tout le temps. Ça apparaît en mode aléatoire en plus. Et voilà. Allez, on va pas... Putain, il y en a un autre qui est apparu d'où je viens, quoi. C'est interminable. Ah, mais c'est pas là où j'ai fait mon petit pipi? Putain, puis c'est un gros, lui. Et on va rapprocher le camion de la structure. Oh, 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 oh! Attention de ne pas trébucher. Impeccable. Impeccable. Alors voyons voir que j'arrive à reconnaître les emotes. Les icônes, pardon. Donc le truc du milieu, je dirais que c'est le métal. Et le truc en bas, c'est de la céramique, je pense. Merde. Ok, donc céramique, c'est ces deux petites conneries là. C'est deux pieds. Et métaux, c'est le truc noir et blanc. Bon, bah, comme ça, au moins, je me débarrasse. Ah, mais c'est déjà à balle de céramique. Ok, donc faut juste des métaux et de la matière qui râle. Il faut juste des métaux. Ok. Attends, j'ai vu qu'en fait. Il lui fallait de la céramique, en fait. Ah voilà, il lui en faut un. Voilà, bon, on dépasse de 20, mais c'est pas grave. Voilà, et on passe. On passe, ça suffit, parce que c'est interminable. Donc il nous faut des métaux. Allez, on se barre. Allons voir le bricoleur. Où est mon autoroute? Et là, je vois qu'il y a de la matière qui râle. Ah, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas récupérer les trucs depuis le camion. Parce que du coup, on est tout le temps obligé de descendre dès qu'on voit un truc à ramasser. Ok. Cassos. Oh, 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 c'est stylé. Et là, il y a un connard qui a fait un pont, on sait pas pourquoi. Les marchandises perdues, mais on n'a plus le temps, on se barre. Et donc ça, c'est mon autoroute. Il y a un échoué dans le coin. Et donc ça, c'est une autoroute que j'ai construit moi-même. Et donc je suis pas peu fier. Là, il y a une moto abandonnée. C'est quoi ce truc rouge là? Ah, c'est une moto, ok. Je vois qu'il y a de la matière qui râle partout. Voilà, et là on arrive chez le bricoleur. On a écran mouillé, c'est flou! Ah, mais il y a un mec là! Vous êtes qui?
Et je vais te grimper dessus. Non, je vais te liker. Ah putain, c'est des mecs que j'avais dû croiser. Ok, toi je te like aussi. Je t'aime bien. Hey, hey. La mienne est plus lourde. Ouais, la mienne est plus lourde, elle est plus grosse. Salut Anubis. Casier partagé, qu'est-ce que c'est? Récupérer des marchandises, qu'est-ce que c'est? Marchandises perdues, lubrifiant. Pour le bricoleur, ah ben je récupère ça. Ah ça je prends, parce que c'est pour construire. Arme de poing, ça je prends. Ça, je vais mettre sur le véhicule, je vais le défoncer. Ça aussi, je vais le défoncer. Ça va où ça? Destination pour le ferrailleur. Ferrailleur. Fermier. On va y aller chez le fermier, donc ça je prends. Ça va où ça? L'ancien. Non, l'ancien, on s'en bat les couilles de l'ancien. Ancien, on s'en fout. Ancien. Ingénieur, on s'en fout. Ok, confirmé. Faire une livraison. Cette caisse perdue devait être livrée. Elle sera remise à son destinataire. Oui, bah c'est bon. Oui, je suis d'accord. Oh là, on voit ma petite valve. Salut Sam. Comment va? Bah ça va. Petite toux. Parfait état, c'est pas comme s'il y avait de la rouille partout. Salut le Goron, yo yo yo. Le Henran S. Comme, salut c'est Sam. Le grand coup. Hologramme. Alors c'est vrai que ça je sais pas le... Ça dit quoi? Ça dit yo yo yo. Je sais pas comment on fait pour changer les hologrammes. Je crois que les hologrammes apparaissent quand on lâche un petit pipi. Et je suis à plus de 25 heures de jeu hein, sur celui-là, et je sais toujours pas faire ça. J'ai mis quelque chose de côté pour vous. Ça vous sera peut-être plus utile qu'à moi. Prenez-le quand vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Un PP-sect. Un objet Half-Life. Une genouillère. Une étoile. C'est vrai qu'il sait pas quoi faire d'une étoile. Vous voir agir, ça me donne de l'espoir. Continuez comme ça. Et ça m'excite. Au travail, nouvelle commande. Voilà, et là on voit la carte de la connexion avec les UCA, l'union des villes unies. Américaines. Voilà, et là, du coup, il nous propose des commandes. Donc, on va voir s'il y a des commandes. L'ancien, on s'en fout. Stylo plume. Ok. C'est pour l'ancien, donc on s'en fout. Vieux composant électrique, bricoleur. Ah! Et là, c'est juste à côté. Dans un cratère. De la résine pour le mec en dessous. Station météo. Ok, ville relais du sud. Ok, on va faire les composants électriques parce que c'est juste à côté. C'est le jeu avec le bébé. Oui, exact, c'est celui-là.
Ok. Donc là, on va avoir besoin de flingues. Fusil d'assaut niveau 1, non. Fusil d'assaut non létal, non. Je veux les balématiques. Voilà, c'est ça. Arme de poing, niveau 2. C'est les balématiques, c'est contre les échoués. Donc je vais m'en prendre deux. Je pense que ça devrait aller. Confirmé. Porter sur le dos. Porter sur le dos. Ok. Ah oui, alors ça, c'est pour le centre de distrib. C'est vrai. J'avais oublié. J'espère que tout. Ah, parti. Hop. Voilà, après un petit crash d'ordinateur portable extraordinaire, mais c'est même pas un crash en fait, c'est juste il a redémarré tout seul comme ça, pouf. Et en plus, j'ai une connexion à chier quoi. Aujourd'hui, c'est incroyable. Ma connexion, elle pue du fion aujourd'hui. C'est fou, hein. Il y a enfin ta tête. Quand j'étais arrivé, il n'y avait pas ta tête. Si, il y avait ma tête. Quand t'es arrivé. Elle était là. Ne mens pas. Il faut pas mentir comme ça. Confirmé. Annulé. Ok, allez, on reprend. Sauf que je voulais recycler des conneries. Recycler. Bah, tout ça m'intéresse pas. Ça c'est cassé. Recycler. Je sais pas, moi je suis un poisson rouge. Poisson rouge, ça ne parle pas. Excusez-moi. Voilà, on livre ces conneries. De rien. Ouais, j'ai vraiment mon ordi portable qui fait le con. C'est vraiment. Mais... Ah là là là. Je sais pas ce qu'il fait. L'écran clignote. Ah, on peut se reposer dans un abri. Bah, c'est bien ça. Ça va. Ça va. Normalement, ça devrait réparer le camion. Ah non. Ok, ça m'a rechargé des trucs, mais c'est... Non, en fait, ça m'a pas réparé le camion. Est-ce qu'il y a une plateforme ici? Il y a une plateforme. Ça va permettre de réparer le camion. Ouais, et les mecs ont attendu là toute la journée, pendant que je me suis reposé. Entrer dans la chambre privée. Voilà. Avant que ça crache, j'avais posé une question. Est-ce que le jeu est bien? Ah oui, non, mais le jeu est très très bien. Ce jeu, ça faisait 2 ans que j'y avais pas touché parce que je l'ai pas fini. Je suis à 25 heures de jeu. Je sais même pas où j'en suis dans l'histoire parce que je connais pas. Enfin, j'ai jamais vu la fin. Je sais pas où ça va. Et non, franchement, il est bien. Franchement, c'est un très très bon kiff. À jouer tout seul, il est très agréable. Et en plus, on a un PC qui tue. Le jeu est beau, quoi. Ah, alors, il y a des emails. Oui, ma souris.
oui, les emails, j'ai parlé à mes parents. Vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé aujourd'hui. J'ai pu parler à mes parents, pas longtemps, mais je leur ai quand même parlé. C'était la première fois en 3 ans. Ils habitent au nord, au Pas-de-Calais. Mais ils étaient bien là, sous forme de chiralgramme, à flotter devant mes yeux. Quand je leur avais fait mes adieux avant de partir pour la première expédition, je pensais que je ne les reverrais jamais. Et là, ça fait plaisir de les voir faire crac-crac, c'est Jacques Chirac. Avant le Death Stranding, on organisait toute une cérémonie avant. Quand quelqu'un mourait, contrairement à maintenant, les corps sont directement emmenés pour être incinérés. Et si on n'a même pas le temps... Et si on n'a même pas le temps de leur dire au revoir, à quoi bon rester pour les voir dépérir et succomber à la maladie? Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant que j'ai revu leur visage, je ne peux m'empêcher de penser au jour où notre mission sera terminée. Et j'avais rien à dire. Mako a crash. Ben moi aussi j'ai crash, hein, Cortana. Bon, par contre, ça me tend, là, j'ai... Excusez-moi, j'ai mon OBS qui fait vraiment du caca. Voilà. Et c'est chiant de jouer avec un écran qui clignote. Ingénieur. Oh putain, si j'ai beau être ingénieur de métier, j'ai aussi quelques talents artistiques, vous voyez, en dessin, en peinture sur corps. C'est ma mère qui m'a tout appris, elle m'a tout montré. Avec les bons outils et assez de temps à ma disposition, je suis capable de reproduire finalement ce que je vois sur papier rien qu'avec ma bite. Ou encore n'importe quel paysage élaboré que je peux imaginer en A aussi avec ma bite. Du coup, j'ai pensé à quelque chose. Et si je faisais le portrait d'un échoué avec ma bite? J'ai l'impression que ce qui les rend si terrifiants, c'est qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Si une personne atteinte du DOMS, comme pouvait me décrire ce qu'elle a vu, je pourrais donner à ces mots des formes et des couleurs, et peut-être que ça les rendrait moins effrayants. Ça pourrait même inciter certains reclus à retrouver le chemin vers l'extérieur. Et même si on ne parvient pas à les changer, moi je sais que j'ai changé grâce à vous. Maintenant je fais de la peinture avec ma puce. Merci pour tout, Sam. N'hésitez pas à revenir me voir, bisous! Charles Kahn, aucune station n'est condamnée à l'isolement. Oh, super honorable monsieur Sam Bridges, c'est avec un plaisir infini que je vous annonce que la mission de réparation de la station s'est déroulée sans accroc. Le matos que vous nous avez rapporté était exactement ce qu'il nous fallait. Et nous voilà maintenant, nous aussi, raccordés au réseau. J'ai enfin la fibre. Notre station n'est désormais plus coupée du monde. On peut s'adresser au siège sur la côte et comme s'il était dans la pièce d'à côté. On peut faire des appels Skype. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a appris que les rumeurs sur la ville relais centrale étaient vraies. Elle a donc bien été rasée, alors. Bah merde, alors. Et que si vous n'aviez pas... Alors, en plus, avec une émoji... Oh putain, des millions de personnes sont mortes. Ah bah vas-y, émote crâne. Le projet de la reconstitution des UCA serait passé à la trappe, content que ça ne soit pas arrivé. Tenez bon, et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas atteint l'océan. Voilà, va sur la mer, pars pour le grand voyage. Thomas Sutherland. Salut Sam, comment on va? J'ai un service à vous demander si vous avez le temps. Un porteur qui travaille pour nous a vu quelque chose de bizarre au lac cratère près de la ville relais du sud. D'après lui, ça ressemblait à une sorte de puce. Vous savez, pour stocker les données, il y a un V gravé dessus. Je ne sais pas pour vous, mais ici, c'est la première fois qu'on entend ça. Le porteur qui l'a trouvé devait nous l'apporter pour analyse. Mais il s'est fait attaquer par des mules. Et il s'en est tiré de justesse, mais il a perdu la puce et il ne sera pas sur pied avant un bout de temps. Alors on ne peut pas lui demander d'aller le chercher. C'est là que vous intervenez, Sam. Parce qu'il n'y a que vous, en fait. Il n'y a pas d'urgence, mais dépêche-toi. Merci. Ok. Alors du coup, les trucs jaunes, les emails jaunes, c'est les trucs plus sympas à faire parce que ça nous amène de l'équipement. Ça nous file des nouveaux trucs. On va se boire une bonne binouze. J'étais sur l'application Ubisoft, c'est vraiment horrible. Ubisoft? Mais pour ce jeu, c'est pas sur Ubisoft, hein. C'est sur Steam. C'est un jeu Kojima. Kojima Soft. Boum! Voilà. Comme ça, on pourra faire un gros pissou. Allez, on se barre. Ah oui, alors là, j'ai tout mon équipement. Mais on se barre, parce que de toute façon, le camion est réparé.
on raccorde notre sexe au cordon ombilical. Et ça fait des bébés. Salut DJ Few. DJ Few. Oh, cinématique. À fond Few. Avec cet acteur, putain, chaque fois j'oublie son nom qui est génial. Salut Jeff Hugh, ça va toi? Putain, oh merde, t'es qu'une merde, t'es plus la merde. Il joue souvent, mais oui. Mais après, dans le jeu, c'est pas. C'est pas... On sait pas si c'est un vrai méchant, hein. On l'a affronté une fois. Une version de lui dans le passé. Dans une espèce de flashback bizarre. Si je me souviens bien. La Première Guerre mondiale. C'est à cause de moi qu'elle est là. Et du coup, ça, c'est le bébé qu'on porte. Le bébé qu'on porte, en fait, c'est ses souvenirs à lui. Et comme on est connecté au bébé, bah, du coup, on découvre un peu plus des souvenirs. Oh, le camion Half-Life qui est réparé. Alors, on va aller faire la livraison. Mads Mikkelsen, oui, c'est ça. Est-ce qu'on va faire livraison ou alors... Non, j'ai une meilleure idée. On va faire une mission avec un peu d'action. Ou non, on va d'abord faire la livraison. La truc relais du sud. Après, on fera une pause. Parce que là, je pense que je suis pas loin de la fin de mon épisode. Et donc, on va se garder l'action pour l'épisode d'après. Pour après la pause. Tiens, et d'ailleurs, là, il y a le mec qui nous a dit, avec l'email, qu'il y avait un truc. C'est marrant, ça a pas popé, là. On va aller le voir, d'abord. Alors, pourquoi le jeu est flou? C'est bizarre, j'ai l'impression que le jeu est flou... J'ai l'impression qu'il y a un effet chelou qui rend le jeu flou. Au milieu. Options. Paramètres graphiques. Cadence maximale, on est sur du 60 déjà. C'est quoi cette résolution de merde depuis le début? Je comprends mieux. Ah mais, putain, je suis... C'est quoi cette qualité de merde? En fait, je suis en mauvaise qualité depuis tout à l'heure. Putain, et même en qualité pourrie, le jeu est propre. Hein. Ok. Ah bah là, ça va être déjà beaucoup plus net. Ok, c'est déjà un peu plus net. Mais je sais pas pourquoi, j'ai des effets flous en plein milieu. Est-ce que c'est les flous de mouvement? Reflets spatiaux, oui, ok. Flou de mouvement. Ouais, ça dégage. Ah ben voilà. C'est depuis tout à l'heure, j'ai des taches floues en plein milieu. Là, c'est quand même plus joli.
Ah merde, il y avait un truc sur le... Ah oui, mais c'est pour l'ingénieur, on s'en branle. Alors, allons livrer les trucs au gars, là. Là. Comme ça, on va se décharger un petit peu. Casier partagé, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, toutes les conneries. Produits chimiques. Marchandises leurre. Céramique, poche de sang, transporteur flottant. Vas-y, poche de sang, je prends, ça nous remet de la vie. Grenade hématique, ça je prends. Grenade EX, c'est des grenades à la pisse, on s'en fout. Lance-bolas, je prends. Gant anti-gravité, j'ai déjà. Ça c'est pour où? William Lake. Je sais plus où c'est ça. Charles Kahn, ça c'est le mec de la montagne. Derrière, on s'en fout. Je fais bon live à toi, je vais aller découvrir le jeu. Ça marche, bisous, Cortanabe. Amuse-toi bien. Franchement, tu vas kiffer, je pense. Ah, bricoleur, ça je prends. Et ingénieur, je m'en branle. Ok, confirmé. Hop. Livrer la marchandise demandée, ok. Bah oui, écoute, comme d'hab, et toi? Pas du tout, c'est toi qui as mal. Ah voilà, et là on est niveau de connexion, là on le voit en bas à droite, on n'est que 4 étoiles sur 5. Si on a 5 étoiles après, on a la meilleure des connexions possibles, donc ça c'est en faisant les quêtes secondaires. Bah donc l'idéal c'est d'avoir le 5 étoiles partout à tous les endroits de livraison. Et comme ça, on peut dire que le jeu est à 100%. Voilà, donc là, on va prendre sa petite commande. Ration alimentaire, station météo. Fertilisant. Non, c'est pas ça. Ah oui, alors ça, c'est pour le petit robot. Donc le petit robot, on va lui balancer tous les trucs qu'on a pour l'ancien. Voilà, l'ancien, il voulait un banzai. C'est d'accord. Voilà, ça dégage. Télé-télé. 0, 0, 0, 1. Commande pour Sam. Ah voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le truc qu'on avait reçu par email. Et donc ça nous filait du stuff. Et c'est juste à côté. Donc on y va direct. Confirmé. Oui. Récupérer la puce dans l'acrobace. Ah oui, non, mais là, le jeu est vachement plus beau comparativement au début de live.
Alors, le truc de la crevasse, c'est par où? Alors, je sais que... Voilà, c'est ça. Et là, je peux mettre un point de repère. Qu'est-ce que ce jeu... Franchement, ce jeu est beau, il est décontractif. Il est satisfaisant. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer quand même. Là on descend. Wow, 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 wow. Ah, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Encre d'escalade, vas-y, ça je récupère. Je pourrais le recycler. Oui, il va pleuvoir. Là, il y a du matos. C'est pas agréable d'avoir un écran rempli de texte. Je trouve ça génial. Bah, c'est juste au-dessus. Voilà, c'est bon. On peut lui ramener maintenant. Ah là, il y a un truc pour la cosplayeuse pour Cortana. Voilà, c'est bon, on peut lui ramener. Et du coup, on a fini une petite mission. Après, on va pouvoir faire une pause. Et après, on va avoir de l'action. On va voir des fantômes. Conduite artistique. Là. Et donc là, on lui livre le truc, la puce V. Et normalement, ça devrait nous filer du stuff. Alors, vous vous en êtes sorti? Ouais. Oui, ta gueule. Ça a l'air comme neuf. Je vous tire mon chapeau. T'as pas de chapeau. Alors, j'ai amélioré la boussole. Vous pouvez désormais afficher votre repère d'objectif à tout moment. Sélectionnez un repère d'objectif en mode boussole pour choisir s'il sera affiché à tout moment. Ah, ça c'est bien. Ah oui, j'ai quelque chose pour vous. Ok, donne. Oh. Oh. Un skin cyberpunk. J'ai offert ce qui suit pour vous remercier. Motif facial de V. C'est vrai. Mais ça fait un peu mal. Et donc là, on a un nouvel objet décoratif qui est le motif facial de V. Parure donnée par le mystérieux personnage nommé J. En appliquant ce motif sur son visage, Sam sera encore plus charismatique. Cet objet est issu d'une technologie qui n'appartient pas à ce monde. C'est le futur! Alors, je sais qu'il y avait une touche. Tiens, attends, je vais en profiter pour faire... Là, est-ce qu'il y avait un autre truc pour le bricoleur?
Parce qu'on va y aller juste après. Donc oui. Ça. Ça aussi. Ailleurs, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Les vieux jeux, je m'en fous. Ok, il faudrait que je les fasse à un moment donné, mais pour l'instant, on s'en fout. Confirme, oui. Confirmé. Chargé sur le véhicule. Et voyons voir si. Je crois que j'ai 2-3 merdes à recycler. Genre ça là, ça c'est cassé, donc ça sert à rien. Et encre d'escalade, je m'en branle. Arme de pointe, ça je garde. Ok. Ok, c'est suffisant. Voilà. Et par contre, il faudra que je m'embarque des métaux pour le pour l'autoroute. Oui, c'est bon, passe-moi les trucs. Ça nous fait plus de résine. Tiens, mais là, du coup, on peut voir alliages spéciaux. Ok, c'est le noir et blanc avec un plus. Le chimique, c'est une fiole. Et la résine, c'est un anneau. Un anneau clitoridien. Ok. Se reposer, non, 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 non. Est-ce que là, il y avait des trucs pour le bricoleur? Oui. Bricoleur. Allons, ferrailleur. Ingénieur. Ferrailleur. La gueule des mecs, putain! Ok, tout ça, je m'en branle. Chargé sur le véhicule. Confirmé. Ok. On est bon. Merci pour votre contribution. Et normalement, il y a une touche pour se reposer. Sauf que je sais plus ce que c'est. C'est pas celle-là. Merde, c'est quoi déjà? Option. Affectation des touches. Préparer l'objet. Ta-ta-ta. Changer un. Retenir sa respiration. Ok. S'accroupir, se mettre debout. Nanana. Mode photo. Ah putain, je sais plus quelle est la touche pour se reposer. Ok. Ouais, peut-être s'il le fait tout seul, je sais plus. Bref. La sauvegarde. C'est où? C'est peut-être automatique. Les amis, ça fait plaisir de se remettre un petit peu dans le bain de Death Stranding en attendant Callisto Protocol la semaine prochaine. Bref, sur ce, les amis, bisous sur YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne cette série. Et à la prochaine fois. Bisous, bye bye!